Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020. Il est 20h05. Nous allons écouter notre amie Avira, qui n'a pas pu venir hier soir. Hello Avira. Oui, bonsoir. Vous voyez et vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Cool. Donc, hier, je ne pouvais pas et je n'étais pas averti. Il y avait comme un power cut organisé par le gouvernement du Guatemala de 10h à 15h, donc dans le temps de la journée où tout le monde a le plus besoin d'électricité. Et c'était pour tout un département. Donc, ça ne peut pas être des réparations sur une powerline ou quelque chose. C'est autre raison que j'ignore pour le moment officiellement. Et donc, je ne pouvais même pas. J'ai essayé de vous rappeler, mais ça n'a pas marché non plus parce que grâce à cette power out, il y avait, les tours cellulaires étaient affectés aussi. Donc, quand je voulais emprunter un cellulaire d'une amie, ça n'a pas fonctionné non plus. La seule chose qui fonctionnait, c'était la banque, parce qu'elle a une génératrice. Voilà. Donc, je suis là avec toutes les multiplications que je voulais vous donner hier. Ils vont arriver maintenant. On va se baser sur le Knowledge Seeker Workshop de jeudi la semaine passée, il y a une semaine, le 358e. On a choisi pour la date, pour le thème, le Star Feeder. Le nom m'est venu quand j'ai écouté et écrit toutes les multiplications pour cette fois-ci. Parce que, pourquoi Star Feeder? Vous allez trouver ça vous-même pendant que je parlais. Donc, sans plus tarder, on commence avec les bonnes nouvelles. Le Conseil universel, c'était mardi, il y a une semaine. Mardi passé, il y a une semaine. Il a émis 3 vœux suite au meurtre d'un scientifique iranien et je vais vous les lire, c'est une très bonne action, je trouve. Nous, le Conseil universel dont nous faisons partie parce que nous sommes tout d'abord une âme, nous, le Conseil universel en tant qu'âme unifiée, nous souhaitons le retour en toute sécurité de M. Keshe en Iran, qu'il soit reçu à bras ouverts par les dirigeants iraniens, l'accueillant pour diffuser les connaissances en Iran au reste de la planète et au-delà. Si vous ne le savez pas, il est très attendu par beaucoup de gens en Iran, surtout les bénévoles, mais aussi tous les scientifiques collaborants avec les bénévoles pendant la pandémie et aussi qui ont co-édité et co-écrit le document scientifique et autres actions qui se faisaient ensemble. Mais le président, vous le savez, il est acheté par la fondation Gates pour, je crois, c'était 15 millions de dollars US. Donc, lui, il n'a pas vraiment intérêt qu'il ne va pas se rendre à l'aéroport pour dérouler personnellement le tapis rouge. Sinon, son âme s'est élevée entre-temps et il a compris, oups, il ne faut pas faire des gaffes comme ça parce que ça va me donner des conséquences que je ne peux pas aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ça dans le jeudi prochain, parce que ça, c'était le début du Knowledge Seeker Workshop de ce matin. Le deuxième but, nous, le Conseil universel, élevons l'âme des dirigeants en tendant la main de la paix à chacun et en voyant la beauté de la paix. L'âme du Conseil universel s'élève par tous les dirigeants du monde qui désirent atteindre la paix. Et le troisième, nous, le Conseil universel, donnons de notre âme pour protéger les scientifiques qui sont sur le chemin du partage des connaissances et de la réalisation de la paix. Nous sommes présents. Je suis présent. Je suis présente. Je suis présente. OK, merci. Ensuite, le début de la session du jeudi passé, c'était pour M. Keshe a annoncé qu'il va dans les prochains enseignements nous dévoiler et nous apprendre, nous enseigner plutôt la nouvelle façon comment nous pouvons nous nourrir sans passer par le plan matériel, directement depuis le plan de l'âme. Et là, hier, j'ai trouvé comme par hasard sur le Facebook un post de Mark House qui fait le Golden Age of Guns, et je trouve son post est vraiment approprié pour ça. Imaginez un vaccin tellement sûr qu'on doit vous forcer de le prendre. Et le deuxième, pour une maladie qui est si mortel que vous avez besoin d'être testé pour vous rendre compte que vous l'aviez. Peut-être vous avez remarqué, je ne sais pas vous, mais moi, aucune personne dans ma famille en Allemagne, aucune personne de mes amis au Québec, aucune personne ici au Guatemala est morte récemment. Et quand on est revenu ici au Guatemala, la situation est que les gens n'y croient plus. Donc, il y a comme la moitié des gens qui portent encore le masque, qui est un ordre du président. L'autre moitié ne la porte pas. Et la police, elle ne se mêle pas du tout de ça. Et la grande différence pour moi, pour mes émotions ou mes sentiments, surtout qu'ici, les gens ne jouent pas la police. Et à Québec et en Europe, je n'étais pas, mais au Québec, j'ai vu ça beaucoup. Que quand je rentre dans un magasin, grande surface pour la nourriture, il désinfecte les chariots. Tu dois te laver les mains, comme si on se lave pas les mains. Deuxièmement, on doit porter le masque. Troisièmement, il faut prendre un chariot. Donc, j'avais juste intention d'acheter un item. Donc, j'ai pensé, pas besoin de chariot. La madame m'écrit après, « Monsieur, je vous donne un chariot. » Je fais semblant de ne pas entendre, continue mon chemin. Elle court après moi et elle crie encore plus fort, « Monsieur, ceci est votre chariot. » Alors là, je me tournais vers elle, je dis, écoutez madame, pas besoin de me gueuler, après je ne vais pas prendre votre chariot, j'achète juste un morceau de gâteau. Et je me retourne. Et je continue mon chemin et comme pas suivi à travers la barrière pour me crier après dans le magasin. Mais je trouve ça, c'est arrivé plusieurs reprises que les gens prennent les directives du gouvernement comme si c'est eux, ils sont la police. Et ça, je trouve très dangereux et mauvais signe parce que c'était la même chose qui s'est produisait dans le temps du fascisme en Allemagne, où les enfants dans les groupes de la jeunesse hitlérienne, par exemple, était demandé, ils l'ont fait, beaucoup ont fait, de dénoncer leurs parents et les nazis ont mis leurs parents ensuite dans les camps de concentration. Donc ça, ou dénoncer les voisins, dénoncer la famille plus élargie et tout ça. Donc cette chose, je trouve, j'ai trouvé ça dur à supporter au Québec. Et une fois que je suis revenu ici, mon âme de la forme physique a fait « ouf » parce qu'il n'y a pas de ça ici du tout. Donc, si on porte un masque ou pas, les gens, ils ne critiquent ni l'un ni l'autre façon. Ils ne prennent pas position et ils ont comme une... ils prennent la liberté de chacun et l'intelligence de chacun, plus pour un acquis, et ça, j'aime beaucoup. Donc, le contexte de les étoiles nourricières, on pourrait dire, et que ça tombe pile dans ce temps-ci, parce que vous savez probablement que la pandémie est utilisée pour la Fondation Gates, la Cabale, les banksters, comment on veut les appeler, il y a même des gens qui l'appellent l'élite. Ça me dépasse. Je ne vois pas où est, ça peut être une élite, même s'ils veulent faire le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, je ne comprends pas du tout. Il n'y a rien de nouveau. C'est le même ordre mondial depuis les derniers 8000 ans. Alors, s'il vous plaît. Donc, j'ai fait cette image de... une citation de Microsoft des années, je crois que c'était autour de 2014, quelque chose, où la nouvelle gamme de produits était annoncée comme ça. Where do you want to go today? Où voulez-vous aller aujourd'hui? Et j'ai trouvé ça, c'est chouette de se rappeler de ça. Est-ce qu'on veut aller dans un monde où tout le monde sont des marionnettes dirigées par le gouvernement qui dirige les manteaux? Ou on veut se rendre plus, pas la famille Gates, mais la famille Keshe? Et cette famille-là, elle prône beaucoup la liberté de chacun, que nous sommes d'abord une âme et après un mental et un corps et tout ça. Donc, plus de liberté une fois on a atteint la proximité de notre âme, on devient de toute façon invulnérable et dans le même sens, on devient complètement inatteignable pour la Kabbale ou le nouveau ordre mondial. Dans le contexte, la Fondation Keshe nous a donné en janvier 2020, c'était le début de la pandémie, la One Cup, One Life, qui était là pour sauver tout simplement nos vies. Ça, c'était l'explication officielle, on peut dire l'explication sur le plan matériel. Mais quand on a suivi les formations de M. Keshe sur ce thème-là, One Cup, One Life, et ensuite la coupe de l'âme, la coupe de l'homme et la coupe de la terre, on a très bien compris et très rapidement compris qu'il y a beaucoup plus autour de cette coupe-là que sauver la vie sur le plan matériel, c'est-à-dire pour éviter et guérir l'infection par le virus corona. On a appris aussi que la One Cup, One Life fait aussi office de nous aider à élever notre âme. Et par ce fait même, on pourrait devenir plus immunisé contre le corona et toutes sortes d'autres attaques virales. Et parallèlement, M. Keshe a beaucoup expliqué que le virus, il n'est pas comme un... Il n'est pas méchant. Il est là parce que nous l'avons appelé, il est créé par nous et il est là en fait pour nous sauver. Il est là pour nous aider à faire un pas évolutionnaire. Et maintenant, en décembre 2020, c'est-à-dire presque un an, moins qu'un an plus tard, il nous fait un autre cadeau qui sont les étoiles nourricières qui sont, sur le plan matériel, si on veut, une façon de nous nourrir sans passer par la matière. Mais il y a beaucoup plus de facettes à cet développement que juste la nourriture. De ça, je vais vous parler jeudi prochain parce que M. Keshe a aujourd'hui continué les enseignements sur ce thème-là. Cette nouvelle façon de se nourrir n'est pas conçue pour créer des GANS qu'on prend et après on ne va pas avoir faim et on va être nourri avec toutes les choses que le corps, notre corps a besoin, inclus sur le plan énergétique, inclus sur le plan émotionnel et inclus sur toutes sortes d'autres plans. Non, cette nouvelle technologie, elle est conçue pour nous permettre de vivre directement des plasmas qui sont partout, en provenance, les paquets d'énergie en provenance du centre de l'univers ou en autrement, en provenance de l'âme du Créateur. Ensuite, si l'âme, déjà, elle vit sur ce plan-là, elle le fait de toute façon. Le seul ajout qui est intéressant vraiment pour nous et nécessaire à apprendre, c'est la partie mentale, c'est-à-dire l'âme de la forme physique que j'ai ici symbolisée par un diamant, ce que beaucoup d'écoles spirituelles font. Ils comparent beaucoup le mental avec un diamant qui peut être très pur, très clair, très propre. À ce moment-là, il est parfait serviteur de l'âme et il nous apporte au paradis à chaque instant, pour vrai dire, à l'exposé de 17 fois par seconde dans le paradis. Si, par contre, il a des incrustations, il est sale, il est peut-être un peu capote ici et là, à ce moment-là, il ne va pas nous fournir les données qu'on a besoin pour se rendre plus proche à l'âme. Alors, concernant la nourriture, l'âme reçoit, est déjà connectée et reçoit les énergies universelles pour se nourrir. Elle n'a pas besoin de se nourrir, on le sait. En plus, elle peut, à ce moment-là, si le mental l'accepte, rendre l'âme de la forme physique, le mental, qu'il peut faire partie de ça et aussi accepter ces mêmes ondes et les rendre, on pourrait dire, digérables ou acceptables pour le corps qui, lui, va après ne plus avoir besoin de se nourrir par le biais de la nourriture matérielle. Cela a deux composants. Si on va apprendre comment se nourrir par l'âme, on n'est plus obligé, comme l'image en bas, on n'est plus manipulable parce que la Kabbale, M. Keshe l'a dit, elle va essayer de nous tordre le bras pour par la nourriture, elle va créer par la suite au corona et les séquelles de la pandémie, elle va créer et augmenter une précarité d'aliments. Donc, à ce moment-là, les dirigeants, probablement, les dirigeants peuvent dire on va vous seulement donner, on peut vous seulement donner la nourriture quand vous êtes conforme, c'est-à-dire quand vous êtes vacciné, quand vous êtes obéissant à toutes les lois de la, qui vont se faire. J'ai entendu, entre-entendu par des amis que la France et d'autres pays songent même de revenir à une loi martiale. C'est comme une loi qui est comme s'il y a une guerre civile ou une guerre avant qu'il y a une. Et je sais que dans le système soi-disant démocratique, entre guillemets, américain, cette loi-là donne au président le pouvoir absolu comme un dictateur, c'est-à-dire il n'a plus besoin de demander à qui que ce soit, il peut commander l'armée, la police et tout ça, tous ces organes-là directement. Donc à ce moment-là, ça commence déjà en, au Québec que les gens, on a une amie qui travaille dans une garderie de petite enfance et elle, elle est dans un très grand dilemme. Elle aime son travail, mais elle ne veut pas se faire vacciner. Et c'est les dirigeants de cette entreprise gouvernementale ont déjà laissé sous-entendre qu'il va venir le moment où ils peuvent seulement travailler, continuer à travailler dans la garderie s'ils se font vacciner avant. Donc, ça, quand on est inatteignable, parce qu'on vit sur le plan de l'âme, on va être obligé de faire ça. Comme nous, on était obligé de faire le test PCR avant de partir, autrement, on ne peut pas aller dans un avion. D'ailleurs, le voyage était une catastrophe, c'était très, très difficile, surtout avec tous les règlements en aval du COVID. Il fallait avoir un test PCA pas plus vieux que 72 heures et ça prend l'agence gouvernementale qui fait le test et le Guatemala, l'aéroport d'arrivée, ne font pas de test du tout, mais ils exigent le test qu'il ne soit pas plus vieux que 72 heures et pour Aviram, tu es coupé là, on ne t'entend plus. Il a été censuré. Oui, mais... J'espère qu'il nous reçoit quand même, parce que la liaison est mauvaise quand même. Oui, oui, tout à fait. Il est parti, il va revenir. Je pense qu'il va reboucler là. J'espère qu'ils ne l'ont pas remis dans un avion là. Ça y est. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, mais la liaison audio n'est pas terrible depuis tout à l'heure, là. Mais on te comprend quand même, il n'y a pas de problème. Ok, chance. Donc, il faut que je retrouve mon truc. Voilà. Donc, on est revenu plusieurs reprises pour pousser qu'ils nous ont envoyé par courriel le résultat du test comme 2 minutes avant qu'il fallait partir pour l'aéroport. Voilà. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de touristes au Guatemala. Et ça, c'est une autre magouille parce que le président dit à son peuple, « Ah, on va faire que vous pouvez ouvrir le... On va ouvrir l'aéroport, vous pouvez ouvrir vos boutiques et vos restaurants pour accueillir les touristes. » Et de l'autre côté, il rend le voyage au Guatemala tellement difficile qu'il n'y a pas de touristes. Nous avons pris Montréal, New York, Guatemala City et le vol New York, Guatemala City. Nous étions les seuls gringos, les seuls blancs. Et le deuxième truc qui m'a vraiment choqué, c'est dans l'avion, quand j'avais Bacha et moi sur 2 sièges, toute la rangée jusqu'à l'autre bout de l'autre fenêtre de l'avion, libre, la rangée avant nous, la rangée après nous, libre, et toutes, nous étions les seuls blancs. Et en arrière de nous, toutes les Guatémaltèques qui revenaient dans leur pays pour Noël, étaient entassés en arrière du avion, c'est les pires des places, et aucun distancement. Ça, je trouvais vraiment raciste, et c'était Air Canada et United Air. Donc, 2 compagnies, pas des petites compagnies de rien, qui font des fautes, ça a l'air très, comme, pas exprès, et j'ai pas aimé ça. Voilà. Donc, pour échapper à ça, mieux être capable de voyager sans avion, ce qu'on est en train vraiment d'apprendre beaucoup avec M. Keshe et avec Grigori pour nous y rendre. La deuxième partie qui est aussi importante, sinon plus importante, c'est qu'une fois qu'on peut se nourrir sur le plan de l'âme, c'est-à-dire plasmiquement tout à fait, sans aucune tangibilité, comme dit M. Keshe, nous serons libérés de cette contrainte de nous nourrir sur le plan matériel, de, en fait, tuer autre forme de vie pour notre propre subsistance. Parce que ça, c'est sur le plan d'éthique inacceptable et c'est justement une des choses qui nous bloque dans notre évolution actuelle. Donc, c'est aussi un pas indispensable à faire. Là, je voulais vous dire quelque chose pour mettre les contextes dans la bonne perspective. Alors, on a déjà dit à l'époque quand le corona est arrivé et le COVID et tout ça, on a dit toutes les maladies sont des communication de la part de l'âme à notre mental, à notre personnalité, pour nous dire que nous ne sommes pas sur le bon chemin, il fallait que nous nous rapprochions plus à elle, l'âme. Après, le COVID-19 et toute la magouille gouvernementale et corporative autour, ça peut être vu et c'est vu par beaucoup de gens aujourd'hui comme une collusion pour asservir toute l'humanité. Ça, c'est leur agenda. Mais ça ne finit pas là. C'est juste leur agenda et c'est un agenda qui existe seulement sur le plan matériel et sur le plan énergétique parce que beaucoup de gens y croient. Si on est contre ou pour, on y croit. Mais il y a un plus grand contexte, un autre agenda qui est beaucoup plus grand, c'est l'agenda du Créateur. Et cette petite agenda de collusion contre l'humanité est intégrée et joue son rôle dans le plus grand agenda du Créateur. Et à ce moment-là, on pourrait dire tout ce qui arrive avec la pandémie et les séquelles sociopolitiques et économiques font partie de... C'est comme une communication, un cri de l'aide de l'âme, de l'humanité à toute l'humanité. Vous, toute l'humanité, nous ne sommes pas sur le bon chemin. Il fallait que nous nous redirigeons vers une éthique plus essentielle basée sur l'amour et non basée sur l'argent. Donc, pour dire, ça nous n'oblige pas et ça nous libère déjà, en fait, de regarder le plan matériel beaucoup, mais de plus, comme négliger volontairement le plan matériel pour nous, plus nous diriger sur le plan fondamental, le plan où vit le Créateur et notre âme. Voilà. Comment ça fonctionne? Cette nouvelle technologie, elle va nous permettre de regagner notre place aux côtés du Créateur. Et c'est exactement ça qui est le but de ce pas évolutionnaire dans le monde. Et c'est un pas tellement magnifique et sans, comment on peut dire ça, précédent. C'est comme tellement grand et énorme qu'on ne peut presque pas croire. Donc, on va se rendre compte que nous, le 21 mars 2021, vous vous rappelez, hein, on va se rendre heureux, on va se rappeler, ah oui, je me rappelle. Alors, à le moment du 21 mars 2021, tout le monde va se réveiller le matin, peu importe ce qu'il a fait avant, avec quelques bémols que je vais vous parler dans la prochaine session. Nous tous vont nous réveiller et on va se réveiller, on va regarder par la fenêtre, on va regarder peut-être dans les yeux de notre compagne de vie et on va dire, oh, le soleil s'est levé, c'est magnifique. Moi aussi, je suis un soleil. Je vais me lever maintenant et j'ai le grand désir d'aller dans la nature ou dans mon jardin et de rayonner sur la terre et sur la création, sur ma création. Et on ne va pas du tout se rappeler qu'est-ce qui était ou qu'est-ce qui s'est passé de la nuit des temps jusqu'à hier soir quand je me suis couché. Deuxième partie, que le Créateur, quand j'ai écrit ça, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun Créateur qui mange ses créatures. Ni il y a comme des créatures, des malcompréhensions dans l'hindouisme où Kali me dévore des gens. Ça. Mais ça, c'est après 8 mai. Alors ça, c'est pas une réalité sur le plan fondamental, c'est une erreur, une mésinterprétation sur le plan matériel, il faut le dire. De l'autre côté, même les animaux qui sont carnivores ne mangent pas leurs jeunes. Et je crois que le cannibalisme, ça s'applique entièrement et principalement sur la race humaine, qu'eux, ils sont capables de manger leur progéniture. Et vu que tous les éléments de l'univers furent créés par nous, c'est-à-dire ils font partie de nous, ils sont tous ce qu'on voit et notre création nous aime et nous ne voulons pas manger notre création qui nous aime. Et ça, comme j'ai déjà dit, ça pose une limite à notre évolution, on ne peut pas franchir si on veut continuer ou on s'obstine de continuer de manger matériellement. De l'autre côté, c'est aussi, c'est pas comme on peut se nourrir par les énergies universelles, les rayons fondamentaux. Ça ne veut pas dire je vais garder ma gourmandise pour le chocolat et tout ça. Parce qu'on va trouver à ce moment-là que se nourrir par les rayons fondamentaux, c'est incomparablement plus délicieux et magnifique que même le meilleur chocolat de Suisse ou de Belgique. Donc, cette pas d'évolution est un retour à la source, non? Parce que nous sommes les co-créateurs de notre meilleur grand frère, le Créateur, depuis notre création, qui est aussi le moment de sa création à lui. Vous vous rappelez le paradoxe, hein? Et si quelque chose est un retour à la source, qui est par exemple la signification profonde du mot religion, se relier à ses origines, ne pas se relier à une croyance, grande différence, à ses propres origines. Donc, un retour à la source est jamais quelque chose de nouveau. De cette manière-là, tout ce qu'on apprend maintenant, ce n'est pas des nouvelles compréhensions ou des nouvelles connaissances, c'est, comme M. Keshe et Grigori et tous les autres qui multiplient, ils essayent ou ils mettent l'énergie à nous montrer, à nous pointer ou regarder pour apprendre, parce que toutes les connaissances sont déjà là dès le début dans notre âme. Sauf, on est trop loin de notre âme, donc on n'a pas vraiment beaucoup accès facile à ces connaissances en ce moment. Donc, notre travail, entre guillemets, qui n'est pas un travail, est notre plaisir pour le moment, je veux plutôt dire, c'est de nous mettre dans des situations qui sont propices que nous nous rappelions de notre essence et des choses qui, des voies qui sont favorables à ceci. C'est la méditation, c'est les enseignements de M. Keshe, c'est les enseignements de Grigori, c'est aussi pendant le plus souvent dans la journée, se rappeler de faire ce qui est bon et juste pour nous détendre, surtout avant de prendre une décision qui après va avoir comprendre une action de notre part. Et ça m'a rappelé les condors, et le condor et l'aigle que vous voyez sur l'image en bas, la prophétie des Mayas, qui dit que nous sommes maintenant dans un pas évolutionnaire, ça c'est l'interprétation maya, où les deux tribus, la tribu technocrate, c'est tout le monde qui vit dans des nations industrialisées, c'est la tribu de l'aigle, et l'autre tribu, c'est la tribu des indigènes, qui est le condor, qui sont le reste des peuples qui vivent sur la terre. Et la prophétie dit maintenant, c'est le moment où ces deux tribus vont se fusionner. Je suis conscient qu'avant, j'ai dit ils devraient ou ils doivent se fusionner. Mais mon âme, en ce moment précis, elle me dit ils sont en train de se fusionner. Et ça me touche. C'est ça ce que je veux tellement. Et je suis très content que ça me touche. Ça veut dire c'est là. Quand quelque chose nous touche, c'est une confirmation sur le plan énergétique qu'on est sur le bon chemin, on se rapproche à grands pas à notre âme et ça ne va pas être long. C'est encore 90 jours seulement. 90 fois dodo. Comment elle fonctionne, cette formation étoile? La formation étoile pour la nourriture, les étoiles nourricières ou en anglais Star Feeder, il y a deux clés pour ça. Une clé, c'est ce qu'on a appris depuis le début de la Fondation Keshe, c'est la formation étoile. Elle consiste en, normalement, auparavant, cette formation étoile, elle était fabriquée matériellement par des réacteurs qui tournent, par des contenants de GANS, par des contenants de plasma liquide, par des magravs, par des bobines, par whatever matériel lié à aux outils de plasma. Il y a 4 à la base et il y a un plus haut. Entre, ça donne un tétraèdre. Ça donne comme une pyramide qui est faite de triangles. Et dans le centre de cette pyramide triangulaire ou de ce tétraèdre, il y a une nouvelle âme qui est créée. Et ça peut être comme la façon, la connaissance et la possibilité de se nourrir sans passer par la matière peut être une création par cette forme de la formation étoile. Au milieu, vous avez l'image, c'est la traduction, c'est qu'est-ce que ça veut faire. C'est dans ce contexte pour les étoiles nourricières, il y a l'âme, la boule numéro A, donc le réacteur tout en haut, c'est notre âme. Ensuite, on a 3 âmes de la forme physique en bas, le B, C et D. Et ça, sur l'image suivante, vous voyez qu'en haut, c'est l'âme. Et les 3 plus fondamentales en bas, c'est l'âme de la forme physique de la matière, terre, l'âme de la forme physique des êtres horizontaux, c'est cette fois-ci un lapin, et l'âme de la forme physique plante des peuples verticaux. Donc, dans son discours, M. Keshe, il utilise pour l'entité B, c'est-à-dire le réacteur de base à droite, où j'ai mis le globe de la Terre, il dit aussi c'est l'âme de la forme physique matière ou minérale. Donc, il y a plusieurs mots pour déterminer la même chose. De toute façon, les 3, au fond, réunissent les royaumes de la vie sur la Terre. On a la vie animale, c'est les peuples horizontaux comme nous, les animaux humains. On a les peuples verticaux, c'est les plantes. Et on a les minéraux, les peuples minéraux. Monsieur Keshe, ce matin, il a réitéré que même les atomes ont une âme. Donc, c'est aussi une très, très bonne nouvelle, il n'y a aucun élément dans ce monde créé, dans cette création, qui n'est pas vivant. Donc, on peut finir à dire il y a la vie sur la Terre ou il y a la vie sur une autre planète. Toute la Terre, toutes les planètes, tous les recoins de tout sont vivants. Il n'y a aucun élément qui n'est pas vivant. Comme il cite souvent une citation de Bahá'u'lláh qui dit même une pierre a une âme, mais une pierre, elle est composée d'atomes, de molécules et de whatever. Donc, elle est déjà une âme plus collective que juste une âme. Hein? Et si l'atome a une âme, l'électron et le proton vont avoir aussi une âme. Donc, comme on a appris dans la science du plasma, tous les éléments qui apparaissent sur le plan matériel ont une âme, c'est-à-dire le plus petit aussi. Et on sait aussi que dans la création, tous les éléments créés gardent dans leur centre l'âme. Donc, ça reste le plan, la descente, si on veut, ou la condensation sur le plan matériel. Ce n'est pas un éloignement du monde du plasma. Le monde du plasma reste au centre de toute création. Ça, c'est important de garder ça dans la tête. Ensuite, la deuxième composante, ou la deuxième clé pour comprendre les étoiles nourricières, c'est la coupe de la Terre. La coupe de la Terre, vous vous rappelez, elle provient de la One Cup, One Life. Et ces genres de coupes, contrairement à toutes les productions de GANS avant 2020, avant Corona, on avait juste deux électrodes. On avait une bobine de cuivre nanoplaqué et on avait un autre métal dans sa forme simple, non nanoplaqué. Dans les nouvelles coupes qui ont vu la lumière du jour, début de cette année, il y a trois électrodes. Et les trois électrodes au centre, il y a encore la bobine de cuivre nanoplaqué. Ça peut varier aussi, ça peut d'autres fois être une bobine de zinc nanoplaqué. Ça peut aussi être une bobine de fer nanoplaqué. Elle est toujours nanoplaquée, ça c'est sûr, peut être différents métaux. Donc, et là je pensais, ça c'est pas M. Keshe qui l'a dit expressis verbis, c'est l'Aviram qui a déduit ça, que l'élément au centre de toutes les coupes, ça peut être comparé à l'âme, et les deux autres, un des deux autres à l'âme de la forme physique, le diamant, et l'autre à notre corps. À notre corps, ça équivaut souvent un métal, bobine ou plaque qui est dans son état naturel. Donc ça, on va garder dans la tête. On a besoin de se rappeler de cette schématique ou de cette symbolique plus tard. Ensuite, on regarde la coupe de l'homme, la coupe de la Terre, version homme. Il y a trois coupes de la Terre. Il y a coupe de la Terre, version homme, c'est-à-dire M. Keshe ne l'appelle plus homme, elle dit coupe minérale ou matérielle. Non, crash. Il dit, au lieu de dire homme, il dit peuple horizontal. Dans la coupe de la Terre, version peuple horizontal, la coupe numéro 1, la plus haute, c'est l'âme. Ensuite, l'âme de la forme physique. Ensuite, le corps. Numéro 4, c'est l'âme de la forme physique de la Terre, aussi appelée inertia. Et la coupe numéro 5, c'est l'âme de la Terre. Donc ça, c'est le contexte comment nous fonctionnons. Tandis que le contexte de la formation étoile, c'est un schématique, si on veut, de toute forme de vie matérielle ou pas qui existe dans la création. Tandis la coupe de la Terre, Aviram, tu es coupé. On n'a plus de son. Alors, j'étais parti, vous avez manqué beaucoup ou... Non, on n'a pas manqué beaucoup. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Tu nous entends? Ah, good. Ok. Ça va être ça. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu étais en train de décrire la coupe de la Terre. Ok, et vous voyez... Le... Oui, c'est ça. Donc, j'ai expliqué les différentes coupes de la Terre. Et maintenant, j'aimerais parler de la, comment on a fait les connexions dans la coupe de la Terre. Ça, c'est l'image tout de suite à côté de la coupe en vert, clair et rouge. Là, on voit la façon de connexion entre l'âme de la forme physique, notre âme de la forme physique et notre forme physique. Ils sont reliés entre eux. Et ils ne sont pas reliés à l'âme de la même coupe. Pour ça, j'ai laissé l'image toute à droite sur le même diapo. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous voyez ma souris? Oui, oui. OK. Alors là, dans les parties de la coupe, 4 et 5, la partie de la Terre, par exemple, ou la partie de notre âme, il y a d'abord une connexion entre le C et le B, et après, cette connexion est reliée au A. C'est-à-dire, il y a tout d'abord une connexion entre le corps et le mental, et cette connexion-là est reliée à l'âme de la même coupe. Et seulement dans la coupe numéro 2 et la coupe numéro 3, notre forme physique et l'âme de notre forme physique, ce n'est pas le cas. Dans ces deux cas, c'est les seuls deux où il y a cette irrégularité que ils sont comme... ça me rappelle cette irrégularité à la... au libre arbitre, parce que notre âme, elle est tout d'abord, ça indique le lien entre l'âme de la forme physique à la matière, le corps physique. Ça, c'est déjà comme câblé, hardware connection, c'est-à-dire il n'y a pas de choix là. De l'autre côté, et ça devient important si on fait les connexions pour les étoiles nourricières plus tard. Tandis que dans les autres, le schéma de connexion est montré en ligne bleue et vert clair. Là, l'âme de la forme physique est liée à l'âme de la forme physique est liée au corps, et cette connexion est liée à l'âme dans chaque des trois autres coupes, la coupe numéro 1, 4 et 5. Et dans cette constellation, me semble que ça veut dire que parce que les âmes sont toutes liées. Ça correspond au fait qu'il n'y a qu'une âme. Il n'y a pas de différence entre l'âme à Aviram, l'âme de Joël, l'âme de Catherine, l'âme de Sylviane, l'âme de Mehran Keshe, l'âme de Rick Cremant et l'âme de Bill Gates, l'âme de whatever. Chien, chat, arbre, minéral. Toutes les âmes sont l'âme du Créateur. Alors, si la partie mentale, la personnalité, et la partie physique sont dans chaque petit système, chaque couple, liées d'abord à l'âme, et ça dans toutes les cinq, pareil, ça veut dire qu'il n'y a plus de degré de liberté pour... On ne peut plus mettre ou retrouver le libre arbitre. Libre arbitre, c'est quand même un truc très drôle parce qu'il nous fait plus de misère que du bien. Parce que c'est cet libre arbitre qui nous donne la possibilité de dire non, merci à ce que l'âme veut. Et l'âme elle ne peut pas vouloir autre chose que notre bonheur. Ça revient à dire notre libre arbitre est pour dire non à notre bonheur. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc ça, on a compris. Ça donne une irrégularité, cette chose de libre arbitre qui est peut-être important pour la suite. Voilà. La suite, là, j'ai mis plus grand et ça, ça fait ça. Donc, c'est une explication plus en détail de ce que je viens de faire. Donc, les lignes rouges, ils font cette attention, ne touche pas à mon libre arbitre. Et cette attention, on le voit partout. Si je dois porter mon masque et c'est un signe que je suis devenu un esclave, touche pas. Si on veut me forcer de porter le masque ou de faire le distanciement dans les lieux publics, touche pas. Hein? Et ça, toutes ces choses-là, quand on est craqué, quand on est porté à réagir, ça c'est le moment où le libre arbitre se réveille. Et nous, maintenant, on parle du contexte de se nourrir par le plasma ou se nourrir par les rayons fondamentaux. À ce moment-là, c'est le même libre arbitre que dans les 8000 ans passés a dit « je ne veux pas ça parce que ça ne marche pas et c'est rêvé et c'est pas… tu ne veux pas me dire qu'un truc fantaisiste… Si je m'imagine de me nourrir, ça remplit mon ventre. Hein? C'est ça? Voilà. Ensuite, un truc hyper compliqué, ça a l'air, mais ça c'est le... Je ne me rappelle pas le nom d'un autre knowledge seeker qui a gentiment posté ça. C'est les images que M. Keshe ou Rick, par le biais de Rick, a utilisé jeudi passé pour nous expliquer comment et cet agencement. Je vais vous montrer autre chose avant. Ici, vous voyez la formation étoile. Et je l'ai montré comme ça, comme en 3D. Et quand on regarde l'image maintenant, ce que vous voyez, un au centre, c'est vu la même formation étoile vue par en haut. Et ça m'a pris un moment pour cliquer ça, que M. Keshe montre les formations étoiles de par en haut. Pour ça, il dit l'âme, le réacteur âme est au centre. Et ensuite, autour de lui, à un niveau plus bas, sont les trois âmes de la forme physique. Physical Soul, c'est écrit comme ça. Et là, j'ai pris les mêmes images. Donc, on voit en haut de l'âme, on voit la coupe numéro 2 des êtres horizontaux. On voit la coupe de la coupe numéro 2 qui est la coupe de la forme physique des êtres, des peuples horizontaux. Ensuite, pour le réacteur en bas à gauche, on voit la coupe de la forme physique des êtres minéraux. Et à droite, on voit la coupe numéro 2 des peuples verticaux. La coupe numéro 2, c'est-à-dire la coupe de la forme physique des êtres verticaux. C'est-à-dire, ça c'est comment c'est expliqué, c'est un peu compliqué, mais je voulais vous montrer où ces images, de où ça vient. Donc maintenant, vous le savez ça. Et on va redevenir un peu plus schématique. Donc, on va faire maintenant, ce que M. Keshe a poursuivi maintenant, c'est de faire, quand on a compris que la nourricière étoile ou les étoiles nourricières, le Star Feeder, il est fait par, il a la forme globale d'une formation étoile, comme le ABC, et chaque élément des quatre éléments de la formation étoile est une partie des coupes de la Terre. C'est ça la fusion des deux, si on veut dire, systèmes plasmatiques. Donc, on voit sur cette image, c'est encore une fois 3D, on voit l'image, l'âme en haut, et en bas, on a la trinité, les trois coupes de la forme de l'âme, de la forme physique, ou la coupe du mental. Des peuples horizontaux, c'est l'homme, peuple vertical et minéraux, la terre. Ce que je vais vous dire maintenant, M. Keshe, il a poursuivi en disant que, de toute évidence, comment connecter ce système formation étoile nourricière. Pour les connecter, c'est évident qu'il faut connecter toutes les âmes ensemble. Ça, c'est les âmes dans la grande image sont en noir pour le nanoplaquage. Donc, ils ont tous connecté. Là, c'est encore une fois la vue par en haut, parce que ça devient moins brouillant, les lignes. Donc, ça donne un triangle régulier avec une ligne au milieu pour la troisième, pour l'âme. Et là, je vous ai mis les petits signes. Qu'est-ce que c'est? On a au centre l'âme de l'homme, en haut l'âme de la forme physique homme ou peuple horizontaux, en bas à gauche, l'âme de la forme physique plante, peuple verticaux, et en bas à droite, l'âme de la forme physique matière ou minéraux. Et les connexions que M. Keshe s'est limité à nous dire: il faut connecter les âmes ensemble, et c'est aussi très évident parce qu'il n'y a qu'une âme. Donc, de ne pas les connecter ensemble, ça ne serait pas une représentation de la réalité. Ensuite, il a dit, les autres connexions dépendent de votre intuition et du but. Pourquoi vous voulez faire cette formation étoile. Alors, moi, j'ai pensé à... Je vous propose donc la façon que j'ai... qui m'est venue à moi. C'est pas du tout la vraie, la bonne ou whatever. C'est juste la façon d'Aviram. Et tout le monde peut avoir une autre façon, mais j'utilise celle-ci parce que je ne pouvais pas avoir l'idée de faire les connexions selon Jean-Sébastien. Ah oui, et on peut faire comme Carvet ici. Relax, don't do it. Il n'est pas nécessaire de faire ces coupes-là physiquement. La façon comment les connecter, j'ai montré quand même à gauche, comment je les comprends, parce que le schématique, c'est important pour comprendre comment faire après sur le plan énergétique et sur le plan fondamental. Et pour ça, M. Keshe a réitéré, c'est absolument pas requis que vous faites la coupe de vie. Et on a vu ça après, il y avait des questions. Oh, est-ce que je peux, quand je fais cette formation étoile, j'ai comme une maladie d'intestin, est-ce que je peux guérir ça avec le GANS de ces couples-là? Oh my God! Non, ce n'est pas pour ça. Cette formation étoile n'est pas pour nous enseigner de faire un autre GANS. On a fait assez de GANS. GANS, ça veut dire oie en allemand. On a fait assez matériel. On est maintenant demandé de nous d'avoir le courage pour accéder à un autre niveau de connaissance. S'il vous plaît, merci. Donc, mais pour faire ça sur un autre niveau, il faut quand même comprendre le principe. Alors, M. Keshe nous dit la seule information, connecter toutes les âmes ensemble. Après, mon but, c'était rapprocher le mental à l'âme parce que je pense, une fois l'âme de la forme physique est très proche à l'âme, l'alimentation, l'entretien de notre forme physique se fait tout seul. Ça, c'est mes présomptions. Ça, c'est mes propos de base. Après, j'ai pensé où vont les flèches rouges, les manteaux, c'est-à-dire les âmes de la forme physique des peuples verticaux, le font déjà. Ils n'ont pas le libre arbitre. Ils n'ont pas la misère du libre arbitre. Je ne me rappelle pas quel philosophe était tellement enchanté par cette chose. On doit être un copain de Descartes ou quelque chose français. Oh, oh, oh. Et aussi, dans la coupe de la terre, ou les peuples minéraux, la même chose que le mental, c'est-à-dire l'âme de la forme physique, est très proche à l'âme tout court. Quand M. Keshe a expliqué les coupes de la terre, version peuple vertical, il a dit que dans les humains, on a tout en haut notre âme, après l'âme de la forme physique, après le physique. Pour les peuples verticaux, c'est à l'inverse. C'est, on a tout en haut la forme physique, après l'âme de la forme physique et après l'âme. C'est l'inverse de nous. Et il a dit, ça fait que l'âme, elle a beaucoup moins de mobilité parce que les plantes, ça pousse à un endroit et ça ne se promène pas, ou ça se promène très, très lentement, admettons. Alors, dans le royaume minéral et dans le royaume vertical, c'est-à-dire plante, les âmes de la forme physique sont déjà rapprochées à la forme, à l'âme. Donc, eux, ils se nourrissent déjà, ou ils peuvent se nourrir déjà, je dirais, ils se nourrissent déjà des rayons fondamentaux. Et là, tout de suite, quelqu'un va dire, mais Avira, ça n'a pas de bon sens. Les plantes, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de fertilisants, du compost et des fertilisants chimiques des fois. Et les animaux, ils mangent des graines, ils mangent d'autres animaux et tout ça. Là, il faut faire la différence entre la réalité objective et la réalité perçue. Sur la réalité objective a lieu sur le plan fondamental. Sur le plan fondamental, il n'y a aucune plante qui boit de l'eau. Il n'y a aucun lion qui mange un agneau. Sur le plan de notre perception, les lions mangent les agneaux et les plantes boivent de l'eau avec des fertilisants. Ça, c'est deux choses. Et ça, ce n'est pas parce que c'est une autre réalité, c'est à cause de notre perception qui est faite ou qui découle d'une structuration, d'une mal structuration de notre conscience. Hein? Vous vous rappelez, si notre conscience n'est pas structurée, notre perception n'est pas réelle, donc ça nous donne des données erronées. Ça nous donne une vision qui est erronée par rapport au plan fondamental, mais elle est quand même valide parce qu'on peut vivre avec. Hein? On croit qu'un chien sauvage en colère et affamé va nous mordre et tuer ou manger, ou un lion va faire ça, ou un requin va faire ça. Et l'expérience dans cet royaume de la perception subjective, ça fonctionne, on se fait bouffer. Mais quelqu'un qui a réussi à structurer sa perception autant qu'il n'est plus soumis à la perception collective, à la croyance collective qu'un requin te mange, mon gars. Lui, il peut nager sans rien parmi un troupeau de requins affamés. Et il y a même un proverbe thaïlandais que j'adore qui dit la même chose. Si vous avez rien sur vous dans lequel le tigre peut enfoncer ses dents, vous pouvez vous promener tout nu à travers un groupe de tigres affamés. Ça nous donne clairement la différence entre la réalité objective et la réalité perçue qui est sujet à la croyance collective. Donc, pour ma pensée que, ou ma prémisse que je veux rapprocher les deux âmes, alors à ce moment-là, je voudrais faire le câblage égal comme aux autres, c'est-à-dire comme ça. Hein? Je veux faire le câblage comme sur le câblage à droite, les lignes bleues et vertes, et non les lignes rouges et vertes. Pourquoi? Parce que je pense quand je mets mon âme de la forme physique, c'est-à-dire mon mental, dans un environnement où les autres sont déjà plus proches à leur âme, peut-être mon âme va apprendre par assimilation l'humilité. Vous voyez, mon image d'humilité. C'est un lion qui fait ce qu'un lion fait parce que c'est sa nature. Je n'ai pas montré un lion qui mange un animal. J'ai un lion qui affirme et confirme son existence sur le plan matériel. C'est un lion qui se lève comme le soleil que vous voyez en arrière. Donc, cette humilité, avec cette image, je veux dire que l'humilité, ce n'est pas l'humilité d'une pauvre petite souris grise dans une église qui a juste peur et qui dit « Oh, je ne peux pas, je suis trop petit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi tout ce que je veux. Et, » Et tue le lion. Ou le chat, le lion et le chat, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. L'humilité, c'est de se vivre avec tout ce qu'on est. Parce qu'on est créé, pas par hasard comme on est créé. On est créé de la façon exactement comme nous sommes. Parce que c'est de cette façon seulement que nous pouvons co-créer avec le Créateur. Donc, si on apprend par assimilation, ça peut faire que notre âme de la forme physique, c'est-à-dire notre mental, calme ses nerfs, réagit moins et est plus propice à collaborer dans cette harmonie éternelle immense qui est la création. Entre-temps, je me rappelais, ça ne fait pas si longtemps, peut-être quelques mois seulement, M. Keshe a parlé déjà de se nourrir sur le plan non matériel, c'est-à-dire les deux autres plans. Et là, il a dit, vous vous connectez profondément à une âme, à une plante, un membre des peuples verticaux. Vous vous connectez profondément, vous donnez librement de votre âme à cet être-là et vous dites, tu peux prendre, que tu puisses prendre ce que tu as besoin. Et après, on demande, j'aimerais bien être nourri avec ton aide. Et là, l'âme va tout faire. Et ça, c'est symbolisé sur l'image en bas à gauche. Entre-temps que l'âme de la forme physique est complètement proche à notre âme, on peut faire tree hugging, embrasser les arbres et communiquer avec les arbres et essayer de se nourrir de cette façon-là. Et c'est important, je crois, de ne pas d'arriver avec une autre attitude. Parce que notre attitude par rapport à tous les êtres qu'on tue pour se nous nourrir, c'est comme c'est un acquis, on a le droit, c'est comme ça dans la vie. Hein? Tu es mon repas. Non, on n'exige pas. On demande humblement. C'est ça. On se met, hein, vous vous rappelez, la première loi de la science plasmique, le fort nourrit toujours le faible et ça prérequis que nous nous mettons dans une position faible et nous demandons humblement que cette âme, s'il te plaît, tu as envie de me nourrir aussi? Et elle ne peut pas dire non parce qu'elle n'a pas le libre arbitre. Non, ta face ne me plaît pas. Tu n'as pas souri. Est-ce que tu as dit la bonne formule ou tu as oublié quelque chose? Les plantes ne vont pas dire ça. Donc, ensuite, ça c'est tout ce que M. Keshe non, je ne peux pas dire que c'est tout ce que M. Keshe a dit. Je peux seulement dire, c'est tout ce que j'ai entendu et compris de tout ce que M. Keshe a dit. Importante différence. Ensuite, j'ai pris 2-3 diapos de plus pour apporter les connaissances par rapport à notre corps, parce qu'il s'agit de nourriture, il s'agit beaucoup de notre corps et ça vaut la peine de comprendre notre corps plus profondément et ces connaissances-là et son graciosité de Grigori. Notre corps fait part de notre trinité âme, âme de la forme physique, corps. C'est-à-dire, il n'y a pas une dualité comme âme, âme de la forme physique et comme un appendix qui dit corps. Non, c'est 3 équivalents. Le corps est même le prolongement de l'âme parce que le corps, il est l'interface de l'âme au niveau matériel. L'âme ne peut pas comme ça interagir dans le plan 3D. Elle a besoin comme un agent ou une interface qui lui permet d'intervenir dans le monde 3D et c'est ça le corps. Parce que le corps est le prolongement de l'âme, le corps partage les mêmes connaissances. Ça c'est hyper important. Surtout pour tout notre domaine santé. Chaque corps peut se guérir tout seul parce qu'il a les mêmes connaissances de l'âme. Il est aussi omniscient. Pourquoi il ne fait pas? Parce que notre âme de la forme physique, notre mental, notre personnalité se mêlent et dire « Non, c'est moi qui sais comment guérir. » Et là, l'âme va dire « Ah bon? » Alors, le corps a les mêmes connaissances. Ça veut dire le corps, vous savez, même le changement physique le plus drastique qu'on a expérimenté jusque maintenant, c'est notre naissance. La transition entre un environnement tout à fait liquide à un environnement tout à fait gazeux, atmosphérique. Cette transition avait besoin que chaque cellule de notre corps s'adapte, change, et pas tout seul, mais concertée avec le tout de toutes les cellules de notre corps. Et chaque corps le fait. Et à ce moment-là, notre personnalité est heureusement pas assez développée pour intervenir, tout dire « Ah non, 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 moi je sais une meilleure façon pour faire cette transition-là, j'ai appris un truc et tu vas ne pas naître. » C'est ça. Deuxième chose, c'est ce corps, parce qu'il est le prolongement de l'âme, naturellement, si on parle, c'est-à-dire quand tout est à la norme, ça veut dire tel que le Créateur l'a créé, et le corps est complètement capable de se maintenir tout seul. Et il peut se nourrir des ondes, des rayons fondamentaux. Il peut aussi se renouveler, je dis toujours 17 fois par seconde. Il peut faire tout ça. Et ça ne veut pas dire, quand je dis ça, je ne veux pas dire il peut faire tout ça tout seul. La seule agence, la seule partie qui a ce vocabulaire, je peux tout seul, c'est l'âme de la forme physique, le mental. Ni l'âme ni le corps peuvent même penser ça tout seul, parce que c'est non naturel. On est une trinité. Dans une trinité, aucune partie de la trinité peut dire « moi tout seul ». Impossible. Donc, dans une situation quand le mental et tout est normalisé, comment la vie se passe. L'âme fait un souhait parce que le corps et l'âme de la forme physique sont créés par l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme veut beaucoup faire des expériences sur le monde 3D. Hein? Faut pas oublier ça. Tout, l'âme est responsable pour tout. Alors elle commence avec le souhait, je veux un corps, je veux un corps. Donc, il faut que je fasse une âme de la forme physique qui me fabrique un. Voilà, c'est fait. Après, ah là, j'ai le souhait, je veux aller me baigner dans le lac. Alors, elle fait un souhait. Le mental reçoit le souhait de l'âme complètement non-verbal, sans aucune perte de temps, au même moment, l'instant même, et ça émerge en lui en forme de désir. Il n'entend pas nécessairement une voix, tout à coup, il se rend compte de ce désir, « Ah, se baigner dans ce lac que je vois, ça devait être magnifique. » Voilà. Après, le mental, là je parle, quand tout est normalisé. À ce moment-là, l'âme, le mental, l'âme de la forme physique, va créer notre corps avec ou sans maillot de bain, créer le lac à la bonne température et avec les bonnes vagues qu'on voudrait. Il manifeste tout ça. Après, le corps va se fondre dans ce lac idéal-là pour que l'âme puisse faire l'expérience qu'elle voulait faire au début. Alors l'âme, à la fin, se réjouit de ça. Et ça, c'est tout le sens de la vie. Et ça me fait énormément de plaisir de penser ça, parce que j'étais toujours un peu méfiant pour envers des philosophes ou des théologiciens qui ont des propos comme c'est quoi le sens de la vie dur, grand, inatteignable, beaucoup de travail, toutes les choses qui sont tous sauf plaisir. Et je suis très content qu'on arrive maintenant dans une époque où les enseignements et les connaissances vont tout à fait sur ce niveau de seulement plaisir. L'âme, elle veut se plaire dans le lac. C'est pour ça qu'il y a un lac. Et c'est pour ça qu'il y a un corps qui peut aller dans le lac que l'âme jubile. Et toutes les créations se font comme ça. Et c'est complètement assez. Je ne peux pas imaginer, je n'ai même pas idée d'autre chose en ce moment. Mais avant d'arriver là, nous sommes très conscients que nous vivons encore sur le plan dans un monde de dualité. Et dans le monde de dualité, nous essayons depuis 8000 ans de nous rapprocher de notre âme. Et c'est très, très long parce que chaque fois qu'on meurt et on renaît, on a tout oublié. Parce que c'est ça le désavantage de réincarnation. C'est très lent et c'est pas pratique parce que ça fait... parce qu'on oublie beaucoup. On oublie beaucoup trop. De l'autre côté, comme Hélène, elle a dit, Grigori probablement aussi, qu'avoir plusieurs vies, ça fait qu'on peut expérimenter plusieurs vies, ce que nous avons fait. Les bouddhistes disent, si on est capable de percevoir une annonce pour un cours de yoga, on a au moins 1500 vies déjà derrière nous. Donc, on était oppresseurs, victimes, soldats, nonnes, fourmis, obsessifs de ceci, obsessifs de là, religieux, cuisiniers, bandits, on était tout. Mais on peut aussi dire... vu d'un point de vue de vie éternelle, quand M. Keshe dit, quand vous comprenez ces enseignements qu'il donne en ce moment, au fond, vous pouvez vous réveiller le matin et décider quelle vie vous voulez vivre et vous façonnez votre corps et votre mental de la façon qui correspond à votre projet. Si vous voulez être un... je ne sais pas pourquoi, mais admettons une infirmière ou une infirmière dans un hôpital à Kuala Lumpur. Voilà, vous prenez ce corps, vous réveillez en fait à Kuala Lumpur et vous avez un emploi dans cet hôpital-là. Et vous pouvez vivre ce rôle-là jusqu'à ce que vous avez eu le plaisir que vous vouliez de ça. Donc, il n'y a pas, pour ça, ce n'est pas nécessaire de réincarner. On peut en fait 17 fois par seconde changer notre incarnation si on veut, si on est rendu sur le plan éternel. Avant ça, dans le plan de dualité encore, on pourrait dire, OK, d'être né, de grandir après d'avoir des maladies et après le corps devient de plus en plus faible et vieillit et après la mort. Ça, c'est notre destin. On va penser ça. C'est la pensée collective dans la dualité. Mais si on regarde la même chose d'un point de vue vie éternelle, on ne voit pas ça comme ça. On voit notre destin n'est pas de ratatiner toujours le même chemin, naissance, croissance, décroissance, mort. Et on fait ça éternellement, sans vraiment évoluer, ou évoluer tellement lentement que ça prend une éternité pour se rendre et pour briser finalement ce cycle d'incarnation. Non, on pourrait tout apprendre dans cette forme, parce qu'on est conscient, nous sommes déjà éternels, nous sommes créés par le Créateur à son image, donc tout est déjà parfait. Et notre destin est surtout pas refaire les mêmes choses over and over and over again. Notre destin est autre chose. Notre destin est d'être à côté du Créateur, créer des mondes magnifiques pour le plaisir de tout le monde. Hein? C'est autre chose. Il n'y a aucune répétitivité là. C'est fun. Oh, déjà fini. Alors, j'ai déjà fini. Aujourd'hui, c'était un peu plus court. Je vous remercie beaucoup de votre d'accepter mes excuses pour que je ne pouvais pas venir hier et de votre amour pour m'accompagner à travers cette multiplication aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Et je vous laisse le microphone pour vos questions et commentaires. Merci. On te remercie pour ton amour, Avira. C'était génial encore, hein? Vraiment. Est-ce que vous avez des commentaires? N'hésitez pas. Hein? Surtout, n'hésitez pas par rapport à cette nouvelle configuration. Oui, c'est extraordinaire. Hein? Ah. Ouais. Alors après... Tout s'éclaircit. Oui, et par rapport à cette nouvelle configuration, c'est vrai qu'Aviram, tu as apporté, toi, je dirais ton regard sur les connexions envisagées. Enfin, je dirais, enfin, il me semble que chacun doit juste écouter son âme pour connecter tout ça. Sachant tout à fait. Simplement, voilà, juste de comprendre que dans chacune des coupes de cette configuration, chacune des coupes représente l'âme de la physicalité. On a aussi la partie de l'âme elle-même, on a la partie émotionnelle et on a l'environnement de la physicalité, hein, de la partie physique. Alors après, c'est vrai qu'on peut très bien envisager de connecter les trois ensemble sans mettre de résistance. Enfin bon, après, voilà, chacun... Enfin, je crois, voilà, pour ceux qui veulent faire les coupes, enfin, le système de façon physique, je crois qu'il faut juste écouter son âme. Écouter, c'est tout, se placer, préparer ces éléments, et puis après, juste se laisser, juste guider par son âme, sans trop chercher réellement à faire, comme tu disais, le mental, c'est vrai qu'il est là, mais il faut d'une certaine manière essayer de le mettre de côté et l'âme va vous guider pour le faire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une question de Jean-Marc sur Facebook. Oui, Jean-Marc qui demandait en fait, si on pouvait utiliser les systèmes pour ceux qui ont déjà fait les coupes, coupes de la terre, coupes des végétaux, coupes des minéraux. C'est vrai parce que certains ont déjà fait ces systèmes des 5 coupes. Donc, Jean-Marc demandait s'il fallait refaire une nouvelle configuration ou si on pouvait éventuellement utiliser les coupes qu'on a, enfin, les systèmes qu'on a déjà préparés à l'avance, hein, les systèmes des 5 coupes pour coupe de la terre, coupe des végétaux et coupe des minéraux. Donc c'est vrai que moi, selon ma compréhension, j'ai répondu qu'on pouvait très bien utiliser déjà ces coupes-là puisqu'elles étaient faites et puis se placer simplement au centre et puis recevoir des chants en toute conscience, hein, puisque de toute façon l'âme de la physicalité était présente dans chacune des 5 coupes, donc pas nécessité de refaire une nouvelle configuration pour ceux qui avaient déjà préparé ces différents systèmes. Mais après, on peut très bien ne pas faire de coupe et puis simplement essayer de ressentir et de se connecter simplement à travers nos propres systèmes magravs à l'intérieur de nous, hein, puisque tout ça est en nous. Et donc, si on arrive à se connecter, avec l'amour, le respect, l'émotion, oui, l'émotion aussi que tu nous as transmise, Aviram, cette émotion d'amour, si on arrive à se connecter comme ça, que ce soit vers les végétaux, vers les minéraux, c'est tout, l'essentiel est fait. Et après, peu à peu, on arrive à se détacher de la nourriture, puisque peu à peu, le mental ne sera plus là et on n'aura que la conscience et l'âme. Et à la fin, une connexion directe à l'âme, l'âme des végétaux, l'âme des minéraux. Et puis voilà, et on sera la totalité. On sera vraiment sur le chemin de créateur, on en sera très proche. Et merci à Aviram. Oui, c'est-à-dire qu'on voudrait toujours essayer d'aller un peu plus vite, comme le fait M. Keshe avec l'unité d'amélioration universelle, ou comme fait Grigori Grabovoi avec le PRK1U. Voilà, les coupes pourraient être un moyen d'aller plus vite, d'être aidé, d'être encouragé, soutenu. Oui, c'est sûr que les coupes sont là pour nous aider, hein, puisque les coupes transmettent leur chant, et tout autant qu'elles ont été faites avec amour, respect pour ce qu'elles représentent, oui, elles vont donner, parce que l'essentiel, c'est de donner pour pouvoir recevoir. C'est pas uniquement faire des coupes au travers du système, je dirais, matériel, mais l'essentiel est de leur donner. Quand vous le faites, quand vous faites des magravs, il faut donner pour recevoir. Donc, il faut d'abord donner pour recevoir en contrepartie. Donc, c'est vrai que les coupes sont là, les systèmes sont là, mais il faut d'abord leur donner pour que, après, ces systèmes vous rendent. L'essentiel est là. Oui, et puis je suis d'accord avec toi, Sylviane. Et bon, mais Jean-Marc, je sais qu'il a fait sûrement ses coupes avec beaucoup d'amour. Et donc, il n'y a pas lieu de modifier ça, quoi. Enfin, il peut les utiliser, c'est sûr, hein. Ah oui, tout à fait. Bon, après, ça n'était pas un jugement vis-à-vis de l'un ou de l'autre, mais enfin, voilà, il faut bien faire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'attachent beaucoup à la partie matérielle. Voilà, les éléments, allez, on va faire ci, on met ça, on met une bobine, on met... mais voilà, l'essentiel, c'est quand on fait le système, ben, il faut donner de l'amour, il faut avoir cette intention de... Voilà. Moi, si je ressens pas forcément le besoin de le faire, là, mais si je devais le faire, je réfléchissais en même temps qu'Avira m'exposait ce soir ces slides-là. Moi, j'aurais chargé j'aurais fait une nouvelle formation étoile, et puis en chargeant des boules avec les GANS de chaque coupe, tu vois. J'aurais fait ça. Et je le ferai peut-être d'ailleurs, je sais pas. Je le ressens comme ça. Oui, pourquoi pas. Voilà. Après, c'est ce qu'a fait Roland qui avait présenté un système sur Facebook, tu sais, bon, parce que Roland était allé à Linz, oui. Et il a fait justement ce système avec les boules. Ah, ouais, et justement, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, il m'a dit apparemment les résultats sont extraordinaires. Ah, ouais. Il a commencé à en donner, bon, il m'a parlé de son curé qui habite juste en face de chez lui. Cet homme qui avait des difficultés à marcher, à descendre l'escalier. Depuis qu'il lui a donné le système, cet homme commence à être plus vivace, voilà, il n'a plus de problème pour descendre l'escalier. Voilà, Roland, il a donné un système comme je décris là. Voilà, donc le système en fait des coupes, donc il a donné les coupes de la terre, mais avec des boules. Avec les boules. Et, ben justement, non, ce n'est pas cette image-là que j'ai donnée, mais c'est vrai, regardez les publications de Roland le Barbanchon, c'est vrai qu'il a fait ce système, il nous l'a présenté, et apparemment, oui, c'est très, très efficace. Ben oui. Après, sans être trop dans le matériel, mais j'ai vu qu'il y avait... des plaques, il y avait des bobines, il y avait une certaine disposition, une certaine orientation, tout ça, ça crée des champs un petit peu différents. Et ça serait intéressant de... Enfin, je pense que M. Keshe va nous expliquer ça, peut-être d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire qu'il y a des plaques qui sont... Ah oui, ça a son importance. Il y a des bobines, bien sûr. Oui. Et ça vaudrait le coup de connaître tout ça, c'est passionnant de toute façon, hein? C'est passionnant. Alors, c'est vrai que M. Keshe, quand même, dans ce qu'il nous amène, parce que par moment, quand il dit « mettez des plaques », il y a une raison, parce qu'il faut garder une certaine sécurité. Oui. Voilà. Oui. Mais après, oui, tout ça, il faudrait que ce soit connu, que ce soit su, quoi. C'est hyper important. Oui, oui. On devait être très précis dans ce qu'on met en place. Oui. Est-ce que d'autres personnes veulent faire des commentaires? Oui, Joseph dit, voilà, je pense au lieu de donner, de recevoir, je préfère dire échanger. Mais d'une certaine manière, c'est ça. Hein? Tu donnes, tu reçois, c'est un échange permanent. Tu donnes, tu reçois, et bon, c'est à l'infini. Oui. Mais oui, c'est l'histoire des champs faibles, champs forts, les échanges, les interactions qui sont perpétuelles. Hein. Tout à fait. Oui. Bon, mais les amis, si vous n'avez pas de commentaires, on va se quitter là-dessus en remerciant bien sûr Avira et puis en espérant qu'on se voit mercredi prochain pour la suite qui est vraiment passionnante parce que bon, le cours de ce matin était vraiment très bien aussi. Ouais. Et bon, là on est parti dans une suite extraordinaire. C'est vrai, un très bel exposé d'Avira. C'était pas évident, c'était pas évident à présenter, vraiment très bien. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Plaisir. Je vais vous dire à bientôt. Mais à bientôt. Oui, bonne nuit tout le monde. On se retrouve mercredi prochain, donc à 20 h pour la suite. Avec grand plaisir. Allez, bisous, oui. Bye bye. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir, merci. Salut Jean-Marc. Au revoir tout le monde. Bonsoir.